Bonjour, 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 bonsoir. Nous sommes en bataille, bon, ici, il y a un gros lap qui a tombé, il y a là. Donc, mon pape a arrêté en pile avec nous, sinon, qui est capable de dire nous rapidement ce qui a passé dans l'actualité. Le gros lap qui a fariné là, mais au moins, je suis capable de prendre 2 minutes à dedans, même si je n'ai pas fait rien, mais pour qu'on ait les mouillés, peut-être, non, je n'ai pas fait rien, je n'ai pas dérapé. Eh bien, il y a bon, et l'administration américaine promet pour le bail. Et Ukraine aussi de bombes à Plongaï qui pourront aider le combat là aussi. Et puis il y a un ministre et trésor américain, Janet Yellen, qui dit même dans cet appel, qui en Chine actuellement, les mains d'autorités chinoises pour faire une réforme économique. Et dans le pays d'Haïti, le premier ministre Ariel Henry retourne en Haïti pour un discours, il prend son rencontre avec la presse, un discours côté promettre peut-être de remercier les pays et Afrique, Asie et l'autre pays, même CARICOM, dans l'occasion du 50e anniversaire, et bien, qui promettent pour aider Haïti et mettre sous pied une force robuste pour aller décombattre gang Améo, qui est dans le pays d'Haïti, puis il y a une réunion des Nations Unies sur le pays d'Haïti. Et là, dans le secrétaire général, là, on prend le même appel que l'été lancé déjà pour que pays, des pays pour être volontaires pour aider mettre sous pied une force robuste pour aider les pays nationaux là. Et appelle ça à tout, et mini, et en fait, secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, lui-même, tout. Et Corée appelle ça, Corée demande ça, que le premier ministre Ariel Henry fait tout pour demander ça. Mais le premier ministre Ariel Henry promet tout dans le retourner sur ton Haïti, il lance appel à l'acteur concerné, puis il travaille avec lui. Où il mettait sous pied et d'abord il promet que à partir de la semaine prochaine, il va faire passer maintenant le gouvernement, il va faire passer maintenant la constitution, il va élargir et CDC, c'est conseil de transition, au conseil de transition, et certainement il y a 3 membres qui permettent la 5, mais c'est pas peut-être façon que là c'est pas ça que le monde supporte à Comontana eux-mêmes. Mais lui-même dit qu'il n'a pas avancé, il m'a dit pour tout nous mettre ensemble pour que tu aies avancé pour pouvoir mettre sous pied un conseil, un gouvernement ou bien encore un conseil électoral pour qu'il abouti avec l'organisation élection. Parce qu'il dit lui-même, il reprend le même appel là toujours et il dit que l'objectif par lui-même c'est remettre le pouvoir à un gouvernement et un président élu. Alors, donc nous doutons gros une soirée hier, côté plusieurs entités, plusieurs secteurs qui prennent la parole, surtout pour discuter sur la question de la crise du pays d'Haïti, appel pour gagner une force multinationale JAM, que le secrétaire général là, il est robuste, qui pourra le protocoler avec la police nationale, pas pour remplacer la police nationale, mais pour le protocoler avec elle dans la lutte pour combattre dans l'Améo. Et puis, gagner tout. Entre temps, sous plan local, je dis à c'est un deuil national. Le premier ministre Ariel Henry dépose un jet de faire une occasion. Hein, donc, il y a plusieurs activités qu'a fait dans le moment pour marquer le 2e anniversaire assassinat du président Jovenel Moïse. Et sous plan enquête, bien seulement, il y a un monde qui est condamné pour passer toute ville en prison. C'est aux États-Unis ça fait parce qu'il y a 2 enquêtes qui ont mené parallèles. Du côté du gouvernement américain a appliqué, il y a 10 personnes actuellement. Qui n'a au sein de ce ça a fait en mai 2024. Il y a seulement Oudo Jar qui lui-même dit condamné, non prison américain. Mais en Haïti, audition comme ça a fait sous dossier assassinat, mais Wesser Voltaire continue à faire continue à tendre témoins. À chaque ou à des charges sous dossier à mon qui a bas information. Je détendais par exemple jeudi 6 juillet, il était dans des maîtres de Michel qui était un adversaire farouche et président Jovenel Moïse. Eh bien, mais André Michel, tout comme tout, Pierre Espérance, tout qui sont l'autre adversaire encore, et ancien défunt président, eh bien, lui-même, il a dit que, premier dame, non, en tant qu'ancien premier dame, non, Mathis Moïse, il a semblé représenter un handicap pour enquête parce qu'il parle de témoins devant juste là. Cependant, supporter pour madame, je dis que même Matimo était déjà récusé et juge qu'a pris un dossier pour sembler pour relation liée avec que je sois membre parti que
premier ministre qui sorti là dans l'an, donc il était épuisé, donc il n'y a pas parlé, pas mal fait des positions de vente. Donc enquête ça a tout pour déboucher sur aucun monde que il a inculpé jusqu'à présent. Et puis il y a plusieurs activités qui fait, je veux dire, il y a une manifestation tout qu'a fait. Dans Ville au Cap, par exemple, il y a une station de gaz supporter Jovenel Moïse Offert, il y a manifesté tout. La famille a organisé un événement, mais c'est un bar purement familial. Il va inviter l'étranger là-dedans. C'est ça que Jovenel et Moïse, petit président, t'es dit lui-même, il voulait que bah, l'arrêté entre eux-mêmes. Et puis, une baleine de tout ça. Et puis, il y a un Canada qui a organisé une réunion avec la communauté. Alors, une ça fait le Canada. Et Mélanie Joly a organisé une rencontre avec la communauté haïtienne. Sous qui j'en ai été quoi que le Canada a aidé dans la crise de l'Haïti. Mais en attendant, il faut être fait comme si la poutine voulait blindé par Haïti, par la police nationale pour aider dans la lutte qu'elle a fait. Contre les gangs armés. Et voilà, c'est pratiquement et ça nous est pour aujourd'hui. À Jacqueline par là, jeudi à Nakaila. Donc, nous avons fait la domicile, nous avons fait un fond brassé pour nous dans ça qui était dit autour de l'enquête qui a fait sur le président Jovenel, l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Et je suis obligé à porter un râle tout pour nous sur ça qui dit tout. Non, et enquête là, non, alors, mal une enquête qui a mené tout ça, Nations Unies a fait sous dossier là, discussion qui est dans Nations Unies hier, il y a Sandra Le Maire, chef de service, non, et bien lui-même qui a pourri nous là, et bien il a pas eu d'appel, et ministre américain, et Jeannette Yellen lancé par la Chine pour faire réforme, et bien il y a Yumi. Yumi Janit qui n'a pas lui-même qu'à porter réaction à la communauté haïtienne et sous et à l'université de 2 ans et puis il y a tout dans la ville au Cap, il y a Maxino, lui-même qui a ban nous tout, ça qu'a fait dans la ville au Cap concernant ça, et puis qui s'est encore une pour nous tous nos amis. Et puis voilà, et c'est ça qui vient puis nous parlons de football. Et Coupe de CONCACAF là, nous avons de finale samedi. C'est la rencontre entre Panama et Costa Rica, une belle rencontre quand même. Et puis il y a tout équipé. Non, il y a Panama. Est-ce que c'est Mexique qui a rencontré avec Costa Rica? Parce que Panama a fini premier. Panama a rencontré avec l'équipe Qatala. Et puis et Mexique contre Costa Rica. Et puis deux équipes qui habitent déjà dans la zone. Et puis dimanche, c'est va, et l'autre rencontre, c'est va, l'autre rencontre semi-finale et quart de finale. Il y a les États-Unis qui ont rapporté avec le Canada et puis il y a un seul président de la Caraïbe dans la compétition qui était dans la compétition pour nous, c'est Jamaïque, qui lui-même a rencontré et Jamaïque a rencontré avec Guatemala. Et puis il était branché sur nous, on a présent et on a porté information pour ce qui a passé dans la Coupe de CONCACAF là, surtout à partir de demain, on a été branché sur la plateforme et on a deux clients ça et qui est-ce que match États-Unis Canada sont bel match parce que c'est des voisins et Canada a cherché à monter là pour essayer de venir pour un gros rôle dans la zone entre Victavine, mon troisième et ils sont troisième déjà en Amérique du Nord, mais au moins c'est la vie pour passe beaucoup plus important dans la zone CONCACAF là. Ça va vous faire jusqu'à présent et puis bon. Nazon fâché, mes amis. Du 15 Nazon. Monsieur fâché. Monsieur fâché, alors, son truc que fait, on va parler du truc, mais le fâché façon que le public haïtien traite et sélection après sélection éliminée dans la phase de groupe, Coupe de CONCACAF. Ok? Ma petite, nous, gros bonsoir, ma petite, passer un bon temps week-end. Sous la voie de la mairie, côté branché, sous place et n'a pas de toute forme sous vous. Sur toute plateforme, nous, pour nous connaître ce qui s'est passé. Comme je dis, on a apporté tout événement qui a déroulé surtout concernant autour de deuxième anniversaire de la mort et le président Jovenel Moïse là. Enquête sur en Haïti pour personne monde que il a inculpé. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont déjà en prison déjà et qui attendent jugement. Yo. Et il y a des gens qui sont condamnés, il n'y a pas de Rudolf qui est condamné les mêmes, mais il y a 10 prisonniers colombiens pour plus fort et puis il y a deux Haïtiens d'origine, deux Américains d'origine haïtienne qui était participé dans l'opération de fait là, et bien jusqu'à présent, nous avons justement par eux qui est envoyé pour mai et pour 2024. Donc c'est la nouillée, 2 ans, et puis célébration et cap fait, ou bien commémoration cap fait, que ce soit sur support des anciens et défunts présidents, et dans le nord avec le nord-est,
et puis dans Port-au-Prince tout premier ministre Henri de premier chef de fleurs et premier ministre qui était sous-titré date pour déclarer font déclaration dans circonstance pour te parler de cette enquête là qu'a fait sur deux fronts une aux États-Unis une en Haïti et il parlait de contribution gouvernement là apporté pour aider enquête ça avancer pour aboutir au résultat et puis premier ministre tout dans déclaration qu'il fait pour après ce merci tout pays qui dit Asie, Afrique, Amérique latine, nous avons un pays manqué comme le budget. Il y a beaucoup de contributions pour aider à Haïti. Crise-là, nous remercions. Et puis, débat toujours dans les Nations Unies, parce que les Nations Unies sont pour nous bénir, quelle est la force là, quelle est la force multinationale qui a fait là, pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit écoulé là-dedans, alors que nous expectons pas, il dit oui, mais en tout temps, il y a des gens dans le Conseil de sécurité qui ont un droit de veto, qui est certainement ce combat qui va être capable d'empêcher que le fait, donc il n'est que d'attendre. Et puis, il y a tout que. Alors, tout ça a fait au cours de mandat ministre, mandat binu, qui a fini dans le mois de juillet. Donc, on comprend un jeu qui vient qu'on y a là, et puis, m'a dit, nous passons un bon week-end. Et je dis, c'est vendredi, c'est week-end. Si vous conduit pas consommer alcool et si vous consommez alcool, vous connaissez qu'on pas conduit et sur son passager, vous pas obligé de citer nos machines côté chauffeur lui-même, il se doit avoir. Vous pas obligé. Bye bye tout le monde. Na répète à 4h, c'est moi qui a présenté le journal radio sur télévision. Tout le monde qui a fait vacances, tout le monde qui a célébré l'anniversaire, me dit nous bonne fête. Tout le monde qui a un bon bail pour régler, me dit nous profitez de lui, rappelez nos bagages. Après c'est soir dans mon jeudi à pas penser à ça pour rien. Ça que nous on apprécie d'abord et puis l'autre bagarre au besoin à vision. Bye bye. Bon week-end.